Lamentation de Jérémie au chapitre 3, nous lisons le verset 14 au verset 23. Lamentation de Jérémie au chapitre 3, le verset 14 au verset 23. Ensuite, nous lirons Hébreux 12, 14 à 15. Voici nos deux textes de base. Lamentation de Jérémie au chapitre 3, à partir du verset 14. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume et il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux et il a couvert de cendres. Il m'a couvert de cendres et tu m'as enlevé la paix. Et je ne connais plus le bonheur. J'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Et quand je pense à ma détresse, et à ma misère, à l'absinthe et au poison, comme mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Amen. Hébreux chapitre 12. Verset 14 au verset 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infecté. Voici les deux textes, celui de Jérémie 3 et d'Hébreux 12, 14 à 15, qui vont nous servir d'appui pour parler, traiter sur ce sujet épineux, ce sujet subtil qui malheureusement ruine beaucoup de vies. Le prophète Jérémie va écrire ce livre de lamentation quasiment au 6e siècle avant Jésus-Christ. Il avait vécu dans un contexte où sa nation était devait être déportée à Babylone suite à la désobéissance, suite au refus de la soumission à l'autorité de Dieu, suite à l'idolâtrie. Plusieurs choses vont se dérouler en Juda notamment. Et il sera l'un des prophètes que Dieu va susciter pour annoncer un jugement imminent. Le jugement de la déportation. Le peuple de Dieu devait d'abord être encerclé, environné pendant 3 ans, assiégé, à la suite duquel il sera déporté. Toutes les personnes de haut rang, les personnes de race royale et des familles nobles furent déportées depuis Juda jusqu'à Babylone. Et dans ce livre, il relate en fait non seulement la tristesse que cela a causée. En tant que prophète, il portait le message, mais aussi il pouvait éprouver ce que le peuple pouvait éprouver, mais aussi ce que Dieu pouvait éprouver, parce qu'il était entre deux. Il était la voix de Dieu. Il était le messager. Mais il était aussi parmi le peuple. Lorsqu'un jugement devait tomber, il devait aussi subir ce jugement, parce qu'il faisait partie du peuple sur qui Dieu avait déclaré un châtiement. Donc il écrit ce livre pour parler un peu des grandes tristesses
qu'il a vécu et que le peuple de Dieu a connu suite à sa révolte contre Dieu, mais aussi les grandes compassions de Dieu à l'égard de son peuple qui autrefois était brisé. Alors, ce que j'aime avec Dieu, même quand il brise, même quand il châtie, quand il frappe, il est toujours plein de compassion, plein de bonté pour venir à notre aide, pour venir nous secourir et nous relever. Et il était un prophète qu'on avait surnommé un prophète de malheur parce que son message était un peu dur et beaucoup de ceux de sa génération n'arrivaient pas à le comprendre. Et à cause de son message, à cause du fardeau qu'il avait de Dieu, Jérémie a subi beaucoup de railleries, beaucoup de calomnies, de critiques de la part de son peuple. Il a subi beaucoup de moqueries, beaucoup, je dirais, d'oppression de la part de son propre peuple. Et cela l'avait vraiment blessé. Et dans ce livre, justement, il parle de l'amertume qu'il avait dans son cœur, mais de l'amertume aussi que le peuple d'Israël avait. Je parlerai de l'amertume du peuple d'Israël tout à l'heure quand je vais développer un peu les causes de l'amertume. Mais en introduction, je vais plus présenter l'amertume que lui-même en tant que messager de Dieu pouvait ressentir parce qu'il avait justement délivré le message de Dieu. Frères, sœurs, même dans le ministère, je vais m'adresser aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, aux serviteurs, aux servantes de Dieu. Sachez que le ministère est rempli aussi d'amertume, rempli aussi de troubles. Et si nous ne prenons pas en compte ce qui va être dit aujourd'hui, ce qui est censé être un sujet de joie, une source de bénédiction, peut se transformer en absinthe, en poison, et qui peut vous détruire et vous tuer. Et c'était le cas de Jérémie ici. Il aimait son peuple, il portait le fardeau de son peuple, il priait pour son peuple, il intercédait pour son peuple, il annonçait le cœur de Dieu à son peuple. Mais en retour, qu'est-ce qu'il avait? Ingratitude. Rejet. Au point où il a commencé à être mal au-dedans de lui, à ressasser des choses. Et il pouvait même devenir amer. Et j'ai compris que dans le ministère, si notre cœur n'est pas préservé, l'amertume peut nous pourrir. Que Dieu nous préserve. Et la conséquence, il dit, je suis pour tout le peuple un objet de raillerie, de moquerie. On se moque de moi à cause de Jésus, à cause de la parole, à cause de la vérité. On se moque de moi. Je suis chaque jour l'objet de leurs chansons. Tu vas à gauche, Jérémie. Tu vas à droite, Jérémie. Jérémie, Jérémie. Mais en mal, bien sûr. Il était fatigué par toutes ces choses. Et il dit même à Dieu, mais tu m'as rassasié d'amertume. Comment un homme de Dieu peut-il dire que Dieu l'a rassasié d'amertume? Et le verset 17, regardez avec moi, il dit à Dieu, tu m'as enlevé la paix. Donc là où il y a l'amertume, il y a absence de paix. Là où il y a l'amertume, il n'y a pas de tranquillité. Là où il y a l'amertume, la paix est absente. Deuxième chose, il dit ici, je ne connais plus le bonheur. Autrefois, je savais c'était quoi le bonheur. Je pouvais vivre dans la joie. Mais aujourd'hui, à cause de l'amertume, je n'ai plus la joie. Et vous allez voir que même en tant qu'enfant de Dieu, il nous arrive de perdre la joie à cause de l'amertume. Plus de force. Il dit, ma force est perdue. Jérémie n'avait plus de force. Il commençait à sombrer dans la dépression. Homme de Dieu, oint de Dieu, messager de Dieu, dépressif. Car il y a des situations, si vous ne comprenez pas, vous ne mettez pas en pratique ce qui va être dit aujourd'hui, vous pouvez sombrer. Alléluia. Plus d'espérance. Il n'avait plus d'espoir parce qu'il s'est même retrouvé en prison. Il était enfermé en prison. Qui me délivrera de cette prison? Plus d'espérance. Vous savez que c'est l'espoir qui fait vivre.
Mais si quelqu'un n'a plus d'espoir, c'est un homme mort. C'est une femme morte. C'était le cas de Jérémie. Et il commençait à parler de sa détresse, à parler de sa misère. Vous savez, quand vous êtes dans l'amertume, vous allez commencer à ressasser, à vous plaindre. Moi-même là, mon problème là, ma situation là, c'était le cas de Jérémie. Ah, le ministère là, c'est trop compliqué. Là, voilà ce qui pouvait être un don de Dieu. Quelque chose de je dirais, qui est censé vous booster vers l'avant, vous booster, devient un frein. Il sentait la misère au-dedans. Ce que je suis en train de dire, je l'ai vécu. Alléluia. Amen. Et sachez-le, et même pour ceux qui nous suivent, parce qu'il y a énormément de hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui nous suivent au travers des enseignements, nous bénissons leur vie. Ce sont des choses qui arrivent et nous devons être armés pour que, quand ces choses arriveront, pour ceux-là qui n'ont pas encore expérimenté cela, que vous soyez armés, préparés. Sachez comment affronter cela, parce que si vous ne faites pas attention, l'amertume va vous pourrir la vie. Ça a commencé à l'époque à pourrir ma vie. Tous les jours, je ressassais les choses jusqu'à ce que je comprenne ce que Jérémie a compris. Il y a eu un shift dans la vie de Jérémie au point où il va dire, regardez le verset 21, « Voici, je veux repasser mon cœur. » Et ça, j'insisterai là-dessus tout au long de mon exposé. Il dit, « Je me donnerai de l'espérance. » Avant, il regardait en lui. Il regardait ce qui était mal, négatif. Mais là, il change de stratégie. Il ne regarde plus ce qu'il y a dans son cœur, mais regarde vers Dieu. Alléluia. Et il dit, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et il dit, sa fidélité est grande. Et quand Jérémie entre dans cette dimension où il ne regarde plus à lui ce qu'on lui a fait, ce qu'il a commis, je ne sais pas, peu importe la cause, mais lorsqu'il s'est tourné vers Dieu, il s'est sorti, il s'en est sorti de l'amertume. Amen. L'amertume nous touche tous. Qu'est-ce que l'amertume? L'amertume, c'est le contraire de la douceur. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Le dictionnaire définit l'amertume comme étant un ressentiment qui est causé par le regret ou la déception. Un sentiment, un ressentiment qui est causé par le regret ou la déception. L'amertume, c'est un sentiment mauvais qui empoisonne la vie et rend la vie pénible. Je reprends. L'amertume est un sentiment mauvais qui va empoisonner votre vie et la rendre difficile, pénible. C'est la voie de l'autodestruction. Il y a le diable, oui, mais s'il y a l'amertume, vous allez vous tuer vous-même. Et le diable le sait. Et aujourd'hui, on va voir comment sortir de l'amertume. Et selon la Bible, l'amertume est définie comme un sentiment de tristesse durable. Un sentiment de tristesse durable et qui est mêlé de rancœur. Et ce sentiment-là est lié soit à l'humiliation, parce qu'on vous a humilié, soit par la déception, parce que vous avez été déçu de quelque manière que ce soit, soit par une injustice. Les gens ont été injustes à votre égard et ça vous a fait mal, ça vous a blessé et au fond de vous, il commence à naître une tristesse. Mais une tristesse qui ne va pas être guérie rapidement. On va laisser la tristesse s'installer, elle va prendre, elle va gagner de la place. Elle va perdurer et plus elle perdure, cette tristesse se mêle avec la rancœur
où tu commences à avoir le cœur lourd, et là, l'amertume vient se placer, s'enraciner, et elle ouvre même une brèche au démon. Tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit? Gloire à Dieu. Le mot amertume dans le grec pikra nous donne trois sens. Et je voudrais donner le premier sens dans le livre de Actes au chapitre 8. Pikra nous parle de l'amertume ou encore d'un fiel amer. Dans Actes chapitre 8, le verset 23, vous pouvez lire même à partir du verset 22, c'est l'apôtre Pierre qui s'adresse à Simon, le magicien. Il lui dit, « Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, et s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer. » Dis avec moi, le fiel amer. Le fiel amer, c'est ça l'amertume. Pierre dit, je vois par l'esprit, Simon, que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Là où il y a l'amertume, l'iniquité n'est pas loin. Et l'amertume va t'emprisonner avec les liens du mal. Parce que quand tu as de l'amertume, ce qui va ressortir de toi, ce n'est pas le bien, mais c'est le mal. On va le voir tout à l'heure. Ça, c'est le premier sens que la Bible donne. Deuxième sens, Deutéronome chapitre 28, verset, plutôt 29, verset 18. Deutéronome 29, verset 18. L'amertume, c'est une racine amère. Une racine amère qui produit aussi un fruit amer. C'est logique. Si une racine est amère, ne vous attendez pas à avoir des fruits qui sont doux. Nous sommes d'accord. Même la Bible dit, hein, Paul le dit dans Romains au chapitre 11, je crois, 11 verset 16. Il dit, si la racine est sainte, la masse l'est aussi. Si la racine est souillée et corrompue, elle est impure, elle est amère, en conséquence, les fruits qui vont ressortir de cette plante ou de cet arbre ne peuvent être que de fruits amers. Voilà pourquoi on ne traite pas le cas, le problème de l'amertume à la surface, on va à la racine. Amen. Deutéronome, donnez-moi Deutéronome au chapitre 29, verset 18. On va plus se concentrer sur la partie B. Ah. Techniques, ils ne sont pas prêts. Ok. Allons-y dans Deutéronome, rapidement, au chapitre 29, le verset 18. Voilà. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment, ne se félicite dans son cœur en disant, je jouirai de la paix, même si je persévère dans les penchants de mon cœur pour ajouter à la soif, l'ivresse à la soif. Ce n'est pas ça le texte. Proverbe, Deutéronome 29, verset 18. Il est dit ici, qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur ne se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir d'autres dieux de ces nations-là. Écoutez la suite. Il dit, qu'il n'y ait point parmi vous de racines, dites avec moi racines. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Voilà la deuxième définition de l'amertume. Une racine, voilà pourquoi vous allez voir, l'auteur d'Hébreux, il parle de la racine de l'amertume qui produit des rejetons, qui troublent et dont plusieurs sont infectés. Parce que la racine produit quoi? Du poison et de l'absinthe. C'est amer. C'est désagréable. Voyez-vous un peu? Troisième sens. L'amertume nous parle simplement d'une haine
aiguë, une haine terrible qu'on peut développer dans le cœur. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce que vous avez l'amour que l'amertume ne peut pas entrer. Si vous ne veillez pas, voilà pourquoi la Bible nous appelle à la vigilance, la haine peut entrer. Vous donnez juste un exemple. Vous voyez un homme et une femme qui vont se retrouver devant le maire. Ils se rencontrent, ils s'aiment à la folie. Ils se sont rencontrés, il y en a même, ils ont eu un coup de foudre. Ils parlent au téléphone jusqu'à pas d'heure. Vous connaissez ces histoires? Vous ne connaissez pas ces histoires? Oh, ici à l'église, il y a des anges. Alléluia. Oh chérie, mon cœur, je ne connais même pas tout ça. Ma poule, mon lapin, mon chou, mon ceci, ma cela, mon ceci, ma cela. L'amour à la folie, quand ils marchent dans le métro, main dans la main, toujours, partout, ensemble, on s'aime, on va se marier jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quelques temps après, je ne l'aime plus. Et regarde quand ils vont devant le tribunal, quand ils vont devant le juge, quand ils sont devant l'avocat, pour dire maintenant c'est fini, séparez-vous. Regardez la haine qui sort. C'est les mêmes qui se sont aimés hier, qui quelques temps après deviennent des pires ennemis. L'amertume. Et là, ton voisin dit, attache ta ceinture. Non, regarde bien, dit, attache bien ta ceinture. Si le Saint-Esprit peut changer ce que je pensais pour me dire, c'est pas ça, aujourd'hui tu vas parler de ça. Je suis convaincu, plus que convaincu, cette parole, ce message, ça va avoir un impact considérable. Amen. Dans la vie de plusieurs personnes. Et ça commence par toi aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et l'amertume est un sentiment qui est caché. Il y en a qui ont de l'amertume, mais ils ne savent pas qu'il y a l'amertume. Tellement que c'est subtil. Ça peut travailler dans l'inconscience, dans le subconscient, alors que l'amertume est très dangereuse. Si ce n'est pas traité correctement, si ce n'est pas déraciné de nos cœurs, alors, je peux vous assurer, si vous n'êtes pas détruit aujourd'hui, vous serez détruit dans un an. Ou sinon dans 10 ans. Voilà pourquoi ça doit être arraché aujourd'hui. Okay. Dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Quelles sont les causes de l'amertume? Quelles sont les racines de l'amertume? Hébreux chapitre 12. Nous retournons à Hébreux 12. En réalité, Hébreux 12, Dieu me l'a fait comprendre, je dirais, ce verset-là inversement. En fait, la problématique, c'est au verset 15 et la solution, c'est au verset 14. Il dit ceci au verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, il y a la racine de l'amertume, il y a des causes, des choses qui causent, qui poussent, qui conduisent une personne à avoir dans son cœur de l'amertume. Et dans ce que je vais essayer d'énumérer, vous allez remarquer avec moi que généralement, ce sont des situations et des événements douloureux, des situations difficiles qu'on peut rencontrer qui ouvrent malheureusement des brèches, des portes à l'amertume. Il y a l'offense, il y a le rejet, l'abandon, la trahison, les fausses accusations.
Des choses qui vont toucher votre dignité, qui vont vous toucher dans votre être, au plus profond de vous-même. Et ces choses-là, en général, si Dieu ne vous aide pas dans la clé que nous verrons vers la fin, à bien, gérer la situation pour que, au lieu que l'amertume vous enterre, qu'elle vous propulse. Parce que c'est ce que j'ai connu. Tout était fait pour m'enterrer. Mais on a oublié que la résurrection existe. Alléluia. Au lieu de m'enterrer, j'ai été propulsé et je bénis Dieu. Oh, j'aimerais, avant d'avancer, acclame d'abord Dieu bien comme il faut. Acclame bien Dieu, le Seigneur, parce que tu vas comprendre. Au lieu de mourir, tu as pris de la hauteur. Au lieu de disparaître, Dieu te fait paraître. Et ça sera le cas de quelqu'un aujourd'hui. Ah, je dis, ça sera le cas de quelqu'un. Alléluia. Et ces choses, ces événements ont tendance à miner notre vie. Ah, ça contribue à amener l'amertume. Mais tu dois avoir une capacité, je prie que le Saint-Esprit t'accorde cela aujourd'hui, de surmonter toutes ces choses pour que tu puisses encore t'élever au lieu de te rabaisser. Alors, quelles sont les causes? J'ai noté quelques points. Première cause de l'amertume, ce sont les épreuves. Les épreuves de la vie. Les situations difficiles. Ah oui. Et surtout là, nous sommes en temps de crise et les informations ne sont pas bonnes. Vous voyez, l'avenir est un peu sombre. Quand vous regardez la télévision, vous allez dire, mais waouh, où est-ce qu'on va? Comment ça sera mon avenir? Des situations difficiles s'annoncent. Et la Bible même a annoncé que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ah oui, les difficultés, les épreuves, les tribulations, les oppositions, les persécutions, ces choses sont des portes d'entrée de l'amertume. Ouvre des portes à l'amertume dans nos cœurs. Lorsque vous vivez dans une pauvreté extrême, voilà, quand vous allez remarquer les gens qui sont dans une pauvreté extrême, ils sont tout le temps amers, prêts à vous insulter, prêts à mal parler, prêts à mal répondre. Pourquoi? Tout simplement, c'est la situation difficile qu'il vit. Il dit non. Donc, la personne, voilà, elle est tournée vers le mal. Elle est prête à tout. Pourquoi? À cause des épreuves que la personne est en train de vivre. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux, l'amertume les conduit à la sorcellerie. Parce qu'il dit, pourquoi moi j'échoue, toi tu réussis? Alors nous deux échouons. La politique des crabes. Et c'est les crabes. Vous les mettez dans un récipient. Lorsque l'un essaie de monter, les autres viennent et ça grippe. Et dit, descendons ensemble. Tu vas où? Pourquoi toi seul tu vas monter? Nous on est en bas. Pourquoi toi seul tu quittes le bled là-bas, où il y a la misère, la pauvreté, tu te retrouves à Paris? Non, on doit te refouler. Comme ça, nous tous, match nul. Vrai ou faux? Ça sent déjà amer. L'amertume. Et dans les épreuves, il y a des coups durs, il y a des épreuves dures qui, si elles ne sont pas bien gérées, avec la grâce de Dieu, la sagesse de Dieu, avec la prière, vous pouvez vous retrouver dans le décor. Je donne un exemple. Si il vous arrive de perdre un être cher, ça affecte. Et la plupart des gens qui ont perdu un être cher, perdu un mari, perdu une femme, perdu un parent auquel il était attaché, perdu même un enfant. Très souvent, l'amertume arrive. Pourquoi on se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi pas les autres, mais pourquoi moi? Pourquoi cette situation ne m'arrive qu'à moi? Et là, le diable profite pour te bombarder avec les pensées. D'ailleurs, Dieu ne t'aime pas. D'ailleurs, tu ne vaux rien.
D'ailleurs, les autres sont meilleurs, pas toi. Ces pensées-là viennent assaillir nos pensées, nos cœurs. Et après, on commence, s'il n'y a pas l'aide de Dieu, on peut commencer à gober cela, à emmagasiner cela et à commencer à croire que Dieu est injuste. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont dire, si Dieu est juste, pourquoi ne pas empêcher ça? Si Dieu est bon, pourquoi telle situation? Pourquoi tel malheur? En réalité, ce n'est pas de leur faute. Ils ont laissé l'amertume ouvrir les portes aux mauvaises pensées et les détruire de l'intérieur. Alléluia. Amen. D'autres encore, c'est la séparation des gens avec qui vous étiez proches, des amis, des frères. Il y a des gens comme ça qui peuvent vous quitter du jour au lendemain. Et vous vous sentez mal. Pourquoi? Parce que quelqu'un sur qui vous étiez en train de compter, elle part, elle vous quitte. Et l'amertume peut venir et s'installer et causer des blessures. Très souvent, les blessures intérieures qui sont non traitées sont des portes ouvertes à l'amertume. C'est pour cela que tu dois être guéri de toute blessure. Dans le livre de Ruth, par exemple, Ruth 1, la Bible nous présente en fait le cas de Naomi. Vous connaissez Naomi? Alors pour avoir un peu une idée, allez dans Ruth 1, vous allez lire à la maison. Naomi, avec son mari Abimelech, ils habitaient Bethléem. Alors, suite à une famine qui avait surgi à l'époque, ils ont décidé de quitter Bethléem et se retrouver ou aller vivre dans le pays de Moab. Arrivé dans le pays de Moab, la Bible nous enseigne que quelques temps après, son mari, qui l'aimait tant, va mourir. Et après cela, ses deux fils, Kiljon et Michlon, je crois, c'est ça, les deux aussi vont mourir. Tout ce qu'elle avait de plus précieux, vous savez, perdre un être cher, ça affecte énormément. Alléluia. À moins que vous soyez insensible et que vous ne soyez pas un homme. Parce qu'il y a des gens insensibles. Hein? Ah oui, aujourd'hui j'ai assisté à un enterrement. Je vous assure, alors qu'on était en train d'enterrer la dépouille de la personne, les gens à côté sont en train de rire. Alors que la famille là en pleure, on accompagne la famille pour, la Bible dit, pleurer avec ceux qui pleurent. C'est ce que la Bible dit. Accompagner, compatir à la douleur. Non, on est entré. Je vous assure, c'était même pas un mètre. J'étais là, j'ai dit, oh, jusqu'à ce point, les gens sont en train de rire, de s'éclater. J'ai dit, my God. Imaginez un peu, dans le cœur de la personne qui est en train de se séparer d'un être qu'il aimait et qui le paque, qui le quitte. Et s'il n'y a pas la grâce de Dieu, là, l'amertume peut venir et ça peut aller loin. Alléluia. Amen. Et si c'était le cas de Naomi, au point où elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mara qui veut dire amère. Vous vous rappelez la toute première fois quand les enfants d'Israël sont arrivés à Mara, l'eau était amère, il a pris un bois, il a jeté. Dieu, par sa puissance, a changé l'eau amère en l'eau douce. Et c'est ce qui va se passer dans la vie de plusieurs. Ah, ce bois-là, c'est la croix de Jésus. Ah là, la croix intervient. Ce qui était amer va devenir doux. Je vois quelqu'un changer. Hier, si on t'avait catalogué, à partir de cette veillée, ta vie change. Ta nature change, ton image change, ton témoignage change. Moi, je crois que les gens amers, les gens qui ont l'amertume, elles peuvent être transformées et utilisées par Dieu comme des flèches. Alléluia. Et il ne m'appelait pas. Dans Ruth 1, verset 20, il dit, ne m'appelle plus Naomi, appelle-moi Mara, ce qui veut dire amère. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Pourquoi? Elle avait perdu ses enfants. Elle avait perdu son mari. Elle ne voyait plus la vie comme tout le monde. Quand tu lui parles de projet, pour elle, le projet n'existe plus. Vous savez, des gens qui vivent, qui marchent, mais en réalité, ils sont morts. Parce que plus rien ne les intéresse. Parce que ce qui va t'intéresser, c'est le projet, ce que Dieu a pour toi, a prévu pour toi. Mais si dans ton cœur tu es mort, comme Jacob, quand il a appris que son fils Joseph était mort, il a fait le deuil, il est resté dans le deuil, alors que Joseph vivait quelque part.
Il est resté dans le deuil, on l'a appelé Jacob. Mais le jour où on lui a présenté Joseph, on dit Israël vit. La douleur, les larmes vont te ramener en bas. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Et regarde ton voisin, dis-lui, le Seigneur est là pour toi. Non, dis-le-lui encore, le Seigneur est là pour toi. Une dernière fois, le Seigneur est là pour toi. Les épreuves morales. Ah, ça fait mal. Donc, ça peut être la maladie. Tu es frappé par une maladie. Et cela, amen, l'amertume. On a vu ça. Deuxième cause, l'amertume. L'amertume qui vient du péché. L'amertume qui vient du péché. Car le péché peut être aussi une cause d'amertume dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes censés être en bonne relation et communion avec Dieu. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit nous remplit, nous adorons Dieu en esprit, en vérité. Voilà, Dieu est content, toi-même tu es content. D'accord? C'est le Saint-Esprit qui remplit ton cœur de la joie. Car la joie, c'est le fruit du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est une manifestation du fruit du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? Au moment où un enfant de Dieu pêche, il se rébelle contre Dieu, il fait quelque chose qui n'est pas conforme à Dieu, le Saint-Esprit en lui est attristé. N'est-ce pas? Il est attristé, pourquoi? Parce qu'il veut emmener cette personne-là à la repentance. Mais si tu es sensible et que tu te répands tout de suite, voilà, la communion est rétablie. Maintenant, il s'avère que il y a des personnes qui vont tomber dans un péché et qui ne vont pas aussitôt se repentir. Et ils vont commencer à vivre et à normaliser cette tristesse-là qui va finir par devenir une amertume. Amen. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. 2 Corinthiens 7, verset 10 nous dit quoi? En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand pas. Mais alors que la tristesse du monde produit la mort. Donc lorsque le Saint-Esprit te convainc d'un péché, il faut te repentir aussitôt. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes, des enfants de Dieu, ils tombent dans un péché, ils ne se relèvent pas de ce péché, ils commettent encore le même péché, ils commencent à vivre dedans. Donc par conséquent, le Saint-Esprit attristé, il commence même à s'éteindre et là, l'amertume commence à grossir et à prendre place. Attention, cette dimension peut aller plus loin au point où une personne peut même être rejetée par Dieu. Et quand tu es rejeté par Dieu, il y a ce qu'on appelle l'esprit d'égarement qui vient. Où tu commences à normaliser le mal. Tu appelles le mal bien et le bien mal. Tu commences à justifier tes actes. Alléluia. L'amertume. Lamentation 1, vous allez le lire à la maison. Regardez ce que Jérémie dit. Il dit, sache et vois combien il est amer d'être détourné de l'Éternel ton Dieu et de ne plus avoir de respect pour lui. Amos, Lamentation 1, toujours le verset 5, il est dit ceci. Car l'Éternel l'a affligé par ses nombreux péchés. Il y a eu l'affliction, il y a eu l'amertume qui est venue, qui est née à partir de ce péché, de l'abandon. Il a abandonné Dieu et ça a amené la ruine, ça a amené la destruction, ça a amené une défaite dans son cœur et dans sa vie. Frères, sœurs, écoutez très bien ce que je veux dire. Il y a des péchés qui ouvrent des voies, des portes à l'amertume. Proverbes chapitre 5. Salomon, l'homme sage de l'époque, avertit ses enfants spirituels de la dangerosité de la femme prostituée. Proverbe 5, Proverbe 7 en parle. Et pour plus d'informations, achetez mon livre sur la séduction spirituelle, tome 2. Je détaille un peu sur la femme prostituée, Jézabel. Amen. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Je ne vais pas aller en détail. Il faut acheter les livres. On va vendre les livres après ici. Alléluia. Juste pour nous détendre. Et il dit que sa maison, c'est le chemin du séjour des morts.
Tous ceux qui vont à elle ne retournent pas en vie. Donc fais attention que tes pieds ne courent pas au mal. Et regardez le piège du diable. Le diable veut t'avoir, il veut t'emmener dans cette forme d'amertume qui vient du péché. Il va te pousser à commettre l'impudicité. Il va te pousser à commettre la fornication, à pratiquer toutes sortes de péchés sexuels. Au début, tu sens en toi un feu, tu sens en toi un plaisir. Mais après cela, il y a un dégoût. Un exemple simple. Vous connaissez l'histoire de Absalom, Amnon et Tamar dans la Bible. Les trois étaient fils de David, enfants de David. Absalom et Tamar étaient de même père, même mère. Amnon, ils avaient le même père David, mais plutôt le même père David, mais une autre mère. Donc, c'était un demi-frère de Tamar. Qu'est-ce qui va se passer? Amnon regarde sa sœur et il tombe fou amoureux. Dis avec moi, fou amoureux. Ça veut dire, il y a l'amour qui amène des fous. Où tu vois des mille étoiles, ding ding, comme à la Saint-Valentin. Ting ting. Alléluia. Quand il voit Tamar, oh là là, son cœur est brisé. Oh, quelle belle créature. Oh, fais avec moi. Oh. Non, regarde ton voisin, dis-lui, oh. Quand tu dors, Amnon dort, il pense Tamar. Il se réveille. Tamar. Il va aux toilettes, Tamar. Il va à la douche, Tamar. Il va faire les courses, Tamar. Non, il dit non, cette affaire-là devient compliquée. Il appelle son ami, il dit, moi, fais tout. Cherche par tous les moyens. Moi, je dois avoir Tamar. Je dois la connaître. Et le plan marche. Vous voyez, il était amoureux. Hein? Enfin, amoureux. Il faut définir aussi l'amour. Hein? Est-ce que ça, c'est vraiment l'amour? Je ne crois pas. Ok? Il désirait, voilà, il désirait Tamar. Mais regardez, celui qui était fougueux, tout feu, tout flamme. Quand Tamar arrive, il a force, il va la violenter, il va la violer. Il a satisfait ses plaisirs, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, aussitôt qu'il a fini, il y a eu dans son cœur l'aversion. Le sentiment opposé, le même qui désirait dit, regarde-moi cette créature bizarre. Qu'est-ce que tu fais ici? Allez, chassez-la. Vous rendez compte? C'est la même personne qu'on est parti chercher, mais une fois que l'acte a été posé, l'amertume est venue. C'est pour ça que vous verrez, il n'y a aucun adultère qui est heureux. Je ne te demande pas d'aller essayer. Et là, ton voisin dit, n'essaye pas. Je te donne déjà le conseil, n'essaye pas. Alléluia. Ah non, je vais goûter un peu. Je suis fatigué de manger la même sauce. Dis à ton ami, mange la même chose. Non, non, pardon, s'il te plaît, aide-moi à dire à ton ami, ça va l'aider à se réveiller. Dis-lui, mange la même sauce. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Tous les jours, les pâtes, on en a marre. Continue jusqu'au retour de Jésus. C'est toi qui as choisi les pâtes. Donc continue. Ah là, j'ai cassé quelqu'un. Hein? Quelqu'un qui espérait un peu. Oh Dieu, ta grâce. Aussitôt. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le péché, celui qui pratique le péché, Dieu l'appelle un méchant. Et regardez dans Romains chapitre 3, verset 14. La Bible dit que les méchants ont une bouche remplie d'amertume. La méchanceté conduit à l'amertume. Voilà pourquoi. Faites attention. Alléluia. Troisième source d'amertume, c'est l'offense. L'offense, c'est lorsque les autres personnes vous font mal. L'offense vient lorsqu'on vous critique. Vous n'avez rien fait, on parle du mal de vous. Et on parle derrière votre dos. Et là, j'aimerais dire, un chrétien ne doit pas parler derrière le dos de quelqu'un. Il doit être un homme à visage unique. Quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, il faut lui parler en face. Il faut aller parler derrière comme ça, parler. Et maintenant, quand on parle,
on n'arrive pas à déterminer qui a parlé et on se cache. Et on aime toujours dire, on a dit que, on c'est qui? Moi j'ai dit que, il n'y a pas de on. Donc soyons délivrés un peu de ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les critiques, ça pourrit le cœur. Ça amène l'amertume, les calomnies. Tu apprends que dans ta famille ou dans ta belle famille, on parle mal de toi. Et surtout les belles familles, s'il vous plaît, arrêtez de parler le mal de femmes, de vos frères ou de maris, de vos sœurs. Elle là, elle s'habille mal. Elle là, elle ne sait pas cuisiner. Elle là, regarde ses ongles, regarde ses cheveux. Regarde, toi, tu passes la personne au scanner comme si toi, tu es meilleur. Franchement. Alléluia. Et ça détruit. Ça mène l'amertume. Alléluia. Lorsqu'on vous injurie, on vous insulte. Bien-aimé, il y a des insultes. Tu as envie de tuer, tu as envie de disparaître. La personne te regarde de la tête en bas, en haut. Ah, elle fait un... J'arrive même pas à faire ça. Faire quoi? Là, tu dis non, 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 non. Aujourd'hui, je vais mettre la Bible de côté. Aujourd'hui, on va mettre la Bible de côté. On va se battre d'abord. L'onction de Samson va venir sur nous. Après, on va se repentir. Amen. L'offense. L'offense vient lorsqu'on vous rabaisse. On ne vous considère pas votre juste valeur. Hein? On vous dénigre. Mais j'aimerais dire, même si on vous rabaisse, moi, j'ai été rabaissé terriblement. À Paris, on m'a rabaissé. Il y a quelques années, j'ai fait des grandes actions dans le monde. Dieu, par sa grâce, je dis bien par sa grâce, m'avoir amené à un niveau où je travaillais que dans les croisades, les grands programmes. J'animais des actions. Martinique, Guadeloupe, île de la Réunion, île Maurice, en Afrique, n'en parlons pas, aux États-Unis, au Canada. Par la grâce de Dieu, j'ai pu faire, j'ai dit bien par la grâce de Dieu, c'est pas, on n'est pas en train de faire une course, j'ai fait presque 60 pays pour annoncer l'évangile dans le monde. En Russie, on a été, où ça? Dans plusieurs pays, en Pologne. Mon frère, là, il était en Pologne. Combien de fois je suis venu en Pologne? 3 fois, 2 fois. On a prêché là-bas. Je m'appelle, c'est là où je prêchais en anglais, non? I preach in English in Jesus' name. Hallelujah. J'ai cherché un peu le mot, mais l'onction était sur moi. J'ai prêché, parce qu'il fallait prêcher. Il fallait traduire de français en anglais et puis de l'anglais en polonais. J'ai dit non, 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 non. C'est trop long. Je vais perdre le fil. Anglais seulement. Comme ça, anglais-polonais. Par la grâce de Dieu, on a sillonné le monde. Bien aimé, mais l'humiliation que j'ai subie, que j'ai souillée, où les gens traînaient mon nom avec des fausses accusations. Ils vont dans des chaînes télé. Je passais sur DRTV, au Congo-Brazzaville, pour ceux qui sont au Congo-Brazzaville. Je passais à DRTV, je passais sur les grands plateaux de plusieurs chaînes télé, notamment en Afrique, un peu partout dans le monde. Et on m'a sali. Ma femme est témoin. Pour une fois, ma femme m'a vu pleurer. Je ne pleure pas. Je pleure dans la présence de Dieu. Mais pas devant des situations. Mais un jour, j'ai fondu en larmes. Tellement que j'étais blessé au fond de moi, rabaissé, humilié, écrasé, pire que de rouleaux de papier toilette. Et on citait mon nom, des choses que je ne connaissais pas. On a inventé des choses. Frère, je sais c'est quoi. Dis à ton ami, il a l'expérience. C'est pour cela, vous ne m'entendrez jamais. Je dis bien jamais. Me mettre à salir quelqu'un. Parce que je sais c'est quoi la dignité d'une personne. Ah, je ne le ferai jamais. Que Dieu me garde. Alléluia. Lorsqu'on vous ridiculise, il y a eu l'amertume. J'ai commencé à penser à toutes les années passées où je me suis consacré, sacrifié. J'ai fait des choses sans rien demander. Et j'avais un sentiment de révolte. Une colère commençait à remplir mon cœur. J'ai même décidé, je dis, je quitte la France, je m'en vais. Je m'en vais. Dieu me dit, tu fais quoi là? Retourne. Et on est retourné. Comme pour dire, on a toujours le choix.
soit de sortir de l'amertume, soit de demeurer, d'y demeurer. Mais j'ai pris la décision de sortir. C'est pourquoi j'exhorte quelqu'un aujourd'hui, tu dois sortir de l'amertume. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit te montre aussi dans ta vie. Il est en train peut-être de peindre un tableau, peut-être des cas, des exemples que je ne vais pas citer. Mais le Saint-Esprit, dans sa souveraineté, il parle à un cœur. Alléluia. L'offense ouvre une brèche, ouvre des brèches à l'amertume et ça détruit. Tu vis l'injustice et ça te ronge de l'intérieur. À l'intérieur, tu es pourri. Et quand c'est comme ça, même prier, tu n'arrives plus. Tu n'arrives plus à faire l'œuvre de Dieu. Tu n'arrives plus. Pourquoi? Parce que ton cœur est tellement lourd et tellement rempli d'amertume. Et la Bible nous dit que l'amertume produit des fruits, des rejetons. Regardez toujours Hébreux, chapitre 12, verset 15. Il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons. Donc l'amertume pousse des rejetons. L'amertume a des fruits. Quels sont les fruits de l'amertume? Ah, tu veux connaître les fruits de l'amertume? L'aigreur. Quand tu es aigri. L'aigreur. Et la Bible, je ne vais pas lire à cause du temps, mais prenez Éphésiens chapitre 4, verset 29 à 31. Éphésiens 4, verset 29 à 31. La Bible nous dit que là où il y a l'amertume, vous allez retrouver les choses que je vais citer ici. Premièrement, à part les grèves, vous allez retrouver la colère. Là où il y a l'amertume, il y a la colère. Il y a un sentiment de colère, de révolte. Elle peut être soit ouverte, soit cachée. Il y a des gens qui peuvent être en colère, mais ils ne vous le montrent pas. Et là, c'est très dangereux parce que ce sont des personnes qui sont capables de faire des choses tellement inimaginables. Deuxième chose, la rancœur. Le fruit de l'amertume, c'est la rancœur. La rancœur vient souvent par le manque de pardon. Quand tu ne pardonnes pas, tu vas voir la personne à qui tu n'arrives pas à pardonner, tu auras du mal à le regarder. Tu auras du mal à le voir. Quand tu viens pour te croiser, je ne l'ai pas vu. Tu as vu, mais tu n'as pas vu. Ça vous est déjà arrivé? Ou on vous appelle? Dites, maman n'est pas là. Mais comme l'enfant est aussi enfant, il dit, ma maman a dit de vous dire qu'elle n'est pas là. Et là, on t'a pris la main dans le sac. Ne sois pas dans la rancœur. Amen. Avoir une dent contre quelqu'un, c'est ce qu'Absalom avait. Absalom, quand il a vu que sa sœur a été humiliée, il a eu de l'aversion, il a eu la haine, il a eu la rancœur, il avait une dent contre Amnon. Il a dit, celui-là, je vais le tuer. Et cela a duré deux ans de rancœur. Et quand il a eu l'opportunité de le tuer, il a tué. L'amertume. Quand vous voyez des fois des fusillades à gauche, à droite, tout ce qui se passe, vérifiez bien, c'est l'amertume. Amen. Voilà pourquoi les gens, les prédicateurs comme nous, on doit être soutenus par l'État. Nous encourager pour changer des choses et on vient nous combattre. Ah. C'est là le problème, c'est une racine. Ces jeunes délinquants là, quand vous vérifiez leur vie, c'est l'amertume. Ils sont dégoûtés de la vie, alors il faut quoi? La racaille. Yo man, et quand tu passes là, ils te montrent que c'est eux qui commandent. C'est les gangsters. Et même la police a peur d'entrer dans certaines zones, dans certains coins. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes. Quand tu arrives, ils te regardent. Ils sont nombreux, ils te regardent. Ils te narguent même là. On suit un peu la télé, on voit. Il y a de quoi la police n'arrive pas. La plupart des jeunes filles que vous allez vous retrouver donner leur corps dans la prostitution. Vérifiez bien. Il va vendre son corps pour de l'argent, pour obtenir quoi que ce soit. Parce qu'il y a une crise d'identité, il y a une perte, je sais pas, de plusieurs choses dans leur vie. Elle ne se retrouve pas, elle n'a plus de repères, la vie est complètement désordonnée. Sa vie, en fait, intérieurement, elle est ses sens dessus, c'est le mélange. Voilà pourquoi elle est prête à vendre son corps. S'il vous plaît, on ne doit pas les condamner, on doit les aider à sortir de cette situation. Voilà pourquoi Jésus, face à la femme samaritaine, il ne l'a pas condamné. Il a dit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi de l'eau à boire, tu l'aurais toi-même donné à boire.
Il dit, mais l'eau, le puits est profond, tu n'as rien pour puiser de l'eau. Comment tu vas faire? Il dit, oh, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme a dit, waouh, donne-moi cette eau-là. Il dit, va me chercher ton mari. Il a touché. Jésus savait. Il dit, oh non, je n'ai pas de mari. Tu sais, quand on touche là où ça fait mal, tu dis, non, je n'ai pas de mari. En réalité, tu as eu 5 maris. Oh! Comment est-ce qu'il sait que j'avais 5 maris? Et même celui avec qui tu vis là, c'est ton petit copain. La femme te dit, maître, je vois que tu es prophète. Hein? Ah, que Dieu révèle l'esprit de prophétie, l'esprit prophétique dans quelqu'un. Quand quelqu'un a l'esprit prophétique, il ne condamne pas, il n'accuse pas. Il voit ce qui pousse la personne à poser ses actes. Donc je ne viens pas comme quelqu'un qui va jeter la pierre. Voilà pourquoi Jésus a dit, lequel de vous est sans péché, jette le premier la pierre. Je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Jésus touche là où ça fait mal. Il touche la racine. Et il m'a dit aujourd'hui, touche la racine. C'est là le problème. Des fois, vous ne comprenez pas. À l'église aussi, il y a des gens qui se comportent bizarrement. Un jour, il veut, un jour, il ne veut pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle est sa position. Un jour, il s'accroche. Demain, il est décroché. Ah! Frère, c'est vrai, ça fait mal, et surtout pour les pasteurs, ça fait mal. Il y a des gens, ah pasteur, tous feu, tout flamme, ils sont zélés. Et puis un jour, le pasteur appelle, votre correspondant n'est pas disponible. Veuillez lui laisser un message, vous laissez un message, vous envoyez des SMS, vous envoyez même des WhatsApp, de preuve que, de sorte que quand il va lire, on sait qu'il y a deux traits comme ça, tang, tang, il a lu, comme ça la personne ne va rappeler rien. À cause de l'amertume, et sa réaction pour créer aussi l'amertume dans le cœur du pasteur. Que s'il n'a pas la grâce de Dieu, il va se fâcher. Lui, là, c'est comme ça. Je le zappe. Arrière de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. La haine. On a parlé de la rancœur, on a parlé de la haine. La haine. Le dissentiment. Lorsque tu dis, je le déteste cette personne, je ne veux pas la supporter, je ne veux pas la voir. Non. Sors de mes yeux. La haine. Quatrièmement, l'envie. Quand il y a l'amertume, il y a l'envie. L'envie, c'est ce désir-là qui est mêlé à une irritation de haine qu'on éprouve pour ceux qui possèdent des choses que nous-mêmes, on ne possède pas. Depuis le jour où tu as vu que ton frère a acheté une nouvelle voiture, tu es mal, tu ne dors plus. La sœur a acheté un nouveau sac. Parce qu'il y a sac et sac. Michael Kors, Louis Vuitton, quoi encore? Ah, vous voyez, non, vous connaissez un peu. Voilà. Et toi, c'est fini. Tu fais des insomnies. Oh Dieu! Qu'est-ce que je fais pour ne pas avoir de Louis Vuitton? Et si par malheur, tu as le mari à côté, oh chérie, moi aussi, depuis qu'on est marié, tu ne m'as jamais acheté de Louis Vuitton. Hein? Tu vois pas que je ne suis pas comme les autres femmes. En réalité, tu ne demandes pas Louis Vuitton. Tu demandes parce que tu as vu l'autre et ça s'appelle de l'envie. Aujourd'hui, c'est la circoncision. Ça fait mal, hein? Mais c'est la vérité. Amen. N'agis pas, ne réagis pas en fonction des autres. Ce n'est pas parce que l'autre fait que je dois faire. Non. Non. Chacun, tu es tel que tu es. Tu ne te compares à personne. Amen. Amen, amen. Parce que l'envie vient souvent par la comparaison. Ah, moi, je n'ai pas ça, lui, il a ça. Elle, elle a ça, moi, je n'ai pas ça. Donc, et puis, quelque chose de mal commence à naître, à naître, à naître. La convoitise. Et après, tu deviens amer. Il y a l'aigreur qui entre. Autre chose, l'animosité. L'animosité, c'est ce sentiment-là de malveillance qui persiste. Tu as envie de faire du mal à quelqu'un. Il y a même des gens qui sont prêts à monter des coups. Ils peuvent faire. Et lui, là, on va l'avoir. On va le piéger. Il y a des gens comme ça.
Un homme de Dieu m'a raconté une histoire. Comment est-ce que dans un pays, on l'avait piégé. On l'a piégé avec une femme pour la faire, le faire tomber. On a essayé d'amadouer tout ça. Mais on avait déjà préparé une munition, une bombe. Et derrière, il y avait déjà les caméras. Sérieusement, il craignait Dieu. S'il ne craignait pas Dieu, ce jour-là, fini. Ministère dans la poche. Tu vas dire quoi encore? On l'a eu la main dans le sac. Il y a des gens qui sont mauvais, foncièrement mauvais, qui sont prêts à vous faire du mal à cause de l'amertume. C'est pourquoi, frères, sœurs, ne croyez pas que tout le monde est gentil. C'est pourquoi ne soyez pas non plus naïf. Dis à ton ami, ne sois pas naïf. Oh, dans ma famille, tout le monde est gentil. Attends, le jour viendra, tu vas voir le vrai visage. Tu crois que tout le monde est content que tu aies un diplôme? Tu crois que tout le monde est content que tu aies un foyer stable? Tu crois que tout le monde est content que tu aies des enfants qui réussissent? Tu penses que tout le monde est content de ce que ta vie est en train de progresser? Non, il y a des gens qui peuvent te faire des sourires, mais des sourires. Mon frère, shalom. Il a les jours, je vais la voir. Amen, amen, amen. C'est la vérité. Combien étaient déçus par leur propre copine? Copine! J'aime bien quand le pasteur Roland Dallon nous dit un peu, ma copa copa, des vraies copines. Ah bon? Ma copa copa, la vraie copine. Elle va aller détourner, créer une histoire. Toi, on va t'éjecter, elle va se positionner. L'amertume. Surtout les célibataires. Ma soeur, attends ton tour. Ça vient. Ne convoite pas l'autre. Tu risques d'avoir de l'amertume. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Tout le monde la cherche. Moi, personne ne m'est calculé. Depuis que je suis à l'église, on ne m'appelle même pas. Même pas un petit sifflet. Psst, ça va, sœur? Personne. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ton tour arrive. Non, je dis ça à quelqu'un, hein, célibataire, ton tour arrive. Ah, il n'y a pas d'amen, hein? Bon, Alléluia. La clameur, tu es dans une position de confusion. Septièmement, les mauvaises paroles. Tout ça, c'est défini dans Éphésiens 4. Les mauvaises paroles. Quand il y a l'amertume, il y a toujours les mauvaises paroles. Dans les mauvaises paroles, je vois des paroles méchantes, les calomnies. Les calomnies, c'est lorsque tu inventes des histoires fausses pour coller ça à une personne. Les médisances, c'est quand tu vois des choses vraies, mais tu le dis dans le but de nuire à la réputation. Tu as vu que le frère a mal fait. Il s'est mal comporté, c'est vrai. Mais parle-lui en secret. Est-ce que tu es obligé de faire une vidéo pour montrer à tout le monde, comme certains aujourd'hui, ils attendent à ce que les hommes de Dieu soi-disant tombent pour faire des vidéos, des scandales? C'est des gens qui sont amers. Parce qu'un enfant de Dieu ne fait pas ça. Un enfant de Dieu fléchit les genoux. Tel est tombé. Seigneur, relève-le. Alléluia. Alléluia. On ne joue pas le jeu du diable. Je n'approuve pas le mal. Non, 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 loin de là. Mais la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Quel est cet esprit-là qui anime aujourd'hui les chrétiens? Toujours accuser les autres, jeter les pierres sur les autres, toujours les autres. Toi-même, tu t'es regardé? Toi-même, tu es propre? On gratte bien ta vie, on ne va rien trouver? Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, retire la poutre qui est dans ton œil. Les mauvaises paroles, les médisances. Il y a des gens qui sont, rien de bon ne sort de leur vie. Ils sont toujours désagréables. Des gens qui sont toujours, ils ne voient jamais de bonnes choses chez les gens. On dit, oh, tel frère là, Dieu lui a fait grâce. Ah bon? Oh mais non, de toute façon, il ne va pas aller loin. Telle soeur là, vraiment, vraiment, elle a un projet, un bon projet, on veut soutenir. Oh, elle là, ça n'ira pas loin. Ouf, laisse tomber. Des gens pessimistes. C'est pourquoi quand vous remarquez ces gens comme ça, fouillez-les. Je ne te dis rien, mais toi-même, tu vas sentir que... Je fuis. Parce que si les gens amers sont autour de toi, tu vas devenir amer. Si les gens qui critiquent tous les jours, matin, midi, soir, tu es... critiqueurs. Bien. C'est un exemple. Hein. Nous, on ne critique pas ici. Amen. À l'église, ici, on se dit la vérité. Et dans l'amour. Amen. Voilà. Non, toi, reste là.
Là-bas. Allez, parle un peu. Regarde, regarde, il n'a pas les cheveux dans la tête. Il est chauve. Regarde-moi ce frère. Hein? On parle. Et regarde là-bas. Hein? C'est comme un taliban. Un kamikaze. Maintenant, viens vers nous. Oh, ça va faire rêver. Ah, notre frère, on t'aime beaucoup. Hein? Fais comme ça. Les critiques. Pourquoi les critiques? Et je suis sûr, quand on te critique comme ça, là, tu n'es pas là. Viens maintenant vers nous. Toi, vas-y. Le critiqueur va aussi le critiquer. Et maintenant, imaginez que critiquez-le un peu. Moi, je suis là, je ne dis rien. Parlez un peu. Dites n'importe quoi. N'importe quoi. Ah, vraiment, tu vois, non? Maintenant, moi, je suis là, je ne dis ni A, ni O. Et ils vont dire quoi? Il est bizarre. Comment il ne réagit pas? Comment il ne fait pas de commentaires? Donc, c'est un élément dangereux. Vous voyez? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quelqu'un qui critique, si tu es au milieu des critiqueurs et que toi, tu ne critiques pas, automatiquement, on va t'éjecter. Parce que tu n'es pas comme eux. Est-ce que vous comprenez? Et quand on critique les autres, sache que, à ton absence, on te critique aussi. Donc, veux-tu rester dans cette association-là? Non, merci. C'est pourquoi, quand quelqu'un critique, je vais vous donner un conseil gratuit, simple. J'ai dit qu'aujourd'hui, on a le temps. Hein? On court trop les dimanches, là. 40 minutes, c'est trop peu. Donc aujourd'hui, vraiment, on va prier. Hein? On va prier, ne vous inquiétez pas. Quand quelqu'un critique, il critique le pasteur, viens. Dis-moi des choses. Hein? Lui, là, vraiment, il n'écoute pas, il est têtu. Il est vraiment... Il veut montrer quoi, là? Il veut montrer que c'est lui qui... OK. C'est moi qui ai critiqué. Hein? Toi, tu n'as rien dit. Amène-moi maintenant. Dis au pasteur, il a des choses à te dire. Pasteur, il a des choses à te dire. Dis-moi ce que tu m'as dit hier. Il a des choses à te dire. Maintenant, quand je serai devant lui, hier j'ai dit quoi? Non. Non, mais ce n'était pas vraiment comme ça. Hein. Tu vois, j'avais dit pas dit ça dans cet angle-là. Tu vois, non? Non, tu as mal entendu, tu avais mal compris. Ce n'était pas tout à fait. Je vous assure, ce jour-là, il est délivré. C'est une délivrance sans imposition des mains. Qui veut vivre ça? Commencez à faire ça dans vos familles. On critique le temps, la tante, on critique le tonton, on critique ceci. Ok, ah bon? Ok, parle pas trop, viens. Accompagne-moi quelque part. Tu prends ta voiture, tu le mets dedans. Ou bien vous prenez le train ensemble. Oh, Jésus est présent, Jésus Seigneur. Et vous arrivez, tintin. Oh, oncle Phil, il a des choses à te dire. Tu peux lui dire ce que tu m'as dit? Et d'ailleurs, pour ton information, j'étais enregistré. Ose mentir. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de gens, des menteurs. Non, je n'avais pas dit ça. Ce n'était pas tout à fait ça. C'était comment? Et vous savez, des choses comme ça, ça tue. Ça détruit, ça blesse. Ça affecte. Amen. Je peux continuer ou vous voulez que je m'arrête? On peut aller jusqu'à la sortie? Comment sortir? Ok. L'amertume détruit le cœur. Je vais aller vite. Premièrement, ça détruit notre cœur. La Bible dit que ça produit du trouble et plusieurs peuvent en être infectés. Là où il y a l'amertume, le Saint-Esprit est attristé. L'amertume va alourdir votre esprit. Vous aurez du mal à prier quand vous avez de l'amertume. L'amertume rend votre cœur impur. L'amertume va vous pousser à avoir de mauvaises attitudes, de mauvaises paroles et à poser de mauvais actes. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient le source de la vie. L'amertume t'empêchera de voir les qualités que Dieu a mis en toi. Parce que tu regardes toujours vers l'extérieur. Tu es mal à cause de l'extérieur, mais tu ne regardes pas le trésor que Dieu a déposé dans ta vie. Regarde les bontés de Dieu comme Jérémie l'a fait. L'amertume nous rend prisonniers de nous-mêmes. Quelqu'un qui a l'amertume, il a du mal à avoir du sommeil. Il a souvent des insomnies. Ah oui, l'autre pour qui tu penses mal, il dort. Hein? Ah, moi, il ne faut pas penser mal de moi. Parce que moi, quand je dors, franchement, je dors. Voilà. Donc, toi, tu vas souffrir pour rien alors que le gars dort.
Il est en train de recevoir des réma. Alléluia. L'amertume vous rend prisonnier des autres, de Satan. Ça vous met dans un fiel amer. Vous devenez tellement amer et vous avez sur vous un joug mauvais. L'amertume peut vous rendre aussi ingrat. Quelqu'un qui est amer, il a du mal à être reconnaissant devant Dieu, mais aussi reconnaissant devant les hommes. On ne voit jamais les bienfaits des hommes parce qu'on est dans un fiel amer. Faire très, très, très attention. Et quand on est ingrat, on ne voit pas les opportunités que Dieu met à nos côtés. On ne voit pas les bonnes personnes. On a toujours tendance à voir les mauvaises personnes. Mais il n'y a pas que les mauvaises personnes dans le monde. Il y a des bonnes personnes aussi dans le monde. Et moi, je prie que Dieu amène ces bonnes personnes dans ton cercle. Amen, amen. Amen, amen, amen. L'amertume vous rendra pessimiste, négatif. Vous voyez tout en mal. Tout. Il y a des gens comme ça. Rien de bon. Donc, ils voient toujours le mauvais côté des choses. Ça, c'est l'amertume. L'amertume plonge l'âme dans les ténèbres et vous prive de la lumière de Dieu. L'amertume produit de troubles. Lorsqu'il y a l'amertume, vous êtes dérangé. Ça vous nuit, ça vous ronge à l'intérieur. Il y en a même qui sont détruits dans leur santé. Ils sont rongés sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel. Combien de gens ont des problèmes de santé, problèmes de tension, de gastrique, problèmes, je ne sais pas, même d'eczéma. Parce que il y a de l'aigreur en elles, ces personnes-là. Et du coup, ces choses-là commencent à réagir même dans leur corps. On a déjà parlé ici par le docteur Michaud, je crois qu'il nous a parlé des blessures intérieures, il nous a parlé des maladies psychosomatiques. Ces maladies qui touchent non seulement l'âme, mais aussi notre corps. Et beaucoup de maladies, très souvent, que les médecins ne voient pas, proviennent de l'amertume. Parce que ça ronge où une personne est là, elle n'arrive pas à grossir, elle est toujours en train de maigrir, elle a un maigrissement bizarre. Pourquoi? Parce que l'amertume est en train de ronger un manque d'appétit. Toutes ces choses. Il y en a même qui vont plus loin. Avoir des accidents cardiovasculaires, AVC, à cause de l'amertume. L'amertume perturbe, infecte les relations. Là où il y a l'amertume, si toi tu es amer, tu voudras aussi rendre les autres amers. Voilà pourquoi les gens amers s'aiment se retrouver entre amers. Les gens amers, les blessés de guerre. Association des femmes battues. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Alléluia. Ah non, on se fait du bien. J'entends les témoignages de l'autre. Joséphine, il n'y a pas Joséphine. Hein? Joséphine avait été battue par son mari. Elle avait des bleus partout. Tu vois, son mari avait fait ça. Et puis bon, on se plaît. Moi aussi, je donne mon expérience. En fait, vous allez que vous faire du bien, mais personne ne va sortir de cette prison. C'est ça le problème. Lorsqu'on est blessé, lorsqu'il y a l'amertume, on se plaît en disant les mauvaises choses qu'on vit, qu'on subit. Mais ce n'est pas rester là qui est important. C'est en sortir. C'est être guéri, c'est en être guéri qui est important. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Yes. Ça va détruire votre famille, détruire vos amitiés, détruire vos relations, détruire l'église. C'est ça. Jacques chapitre 3, verset 14 à 16. Vous lirez, on nous parle d'un zèle amer. Là où il y a l'amertume, il y a un zèle amer. Et cela produit des disputes. Là où il y a l'amertume, il y a des conflits, des tensions sans cesse. Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises choses. Ah, il fut un temps à l'église. Ah, quand on était encore petit à l'époque, oh là là, on avait pas mal de tensions. Et quand on vérifiait bien, les gens étaient dans l'amertume. Dans l'amertume. Et si on n'est pas guéri, ça détruit, ça pourrit. Ça va pourrir ta relation avec ton mari. Ça va pourrir ta relation avec ta femme. Pourquoi? Parce que tu as emmagasiné beaucoup de choses et tu es en train de les ressasser. Lui, là, je l'attends au tournant. Le jour où je vais le voir, je vais l'attraper. J'ai beaucoup de choses. Quand je vais le voir, je vais vomir. Quand quelqu'un dit ça, il y a l'amertume. Il a emmagasiné tellement de choses, il attend juste une occasion pour tout vomir. Amen. Amen. Oh, ton amen, les amen commencent à baisser ou quoi? Donne-moi un bon amen. Amen. L'amertume dérègle notre système de pensée. Ah oui, et nos réactions. Là où il y a l'amertume, tu ne réfléchis plus normalement. Tu penses toujours négativement ou tu penses de la mauvaise manière. Quand on est dans l'amertume,
on passe toujours pour la victime. Moi, je n'ai jamais fait les choses, c'est toujours les autres. Qui a déjà vu ça? Toujours les autres. Quelqu'un qui est dans l'amertume, c'est un blessé, éternel blessé. J'ai à prier pour des personnes, il dit, pasteur, mon frère, il faut sortir de la blessure parce que je veux te guérir. Il dit, pasteur, j'aime mes blessures. Hein? Une personne qui aime ses blessures, comment tu vas l'aider à sortir de ses blessures? Alléluia. Ne sois pas une victime. Quand il y a un problème, c'est toujours la faute des autres. Non, c'est faux. Tu as ta part de responsabilité. Alléluia, j'aime ça. Amen. Amen, amen. L'amertume perturbe l'homme intérieur. Et je finis, comment sortir de l'amertume? Je m'appuie sur deux exemples. Premier exemple, c'est un bon exemple. Et je recommande à chacun d'entre nous. Quel que soit ce qui peut arriver, réagis comme Joseph. Joseph, il a connu tellement le pire. On l'a vendu, on l'a trahi. Il a été maltraité. Il se retrouve en prison. Mais en aucun cas, on nous dit que Joseph a eu de l'amertume dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a compris que toute chose concourt. Oh, suis-je en train de parler à quelqu'un? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si tu es dans une attitude où, même quand on m'insulte, ah, Dieu a permis qu'on m'insulte, donc gloire à Dieu. On te critique, ça te fait mal, tu as envie de réagir. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Gloire à Dieu. Tu es déjà dans une attitude de ne pas développer en toi une racine d'amertume. Et très souvent, l'amertume vient lorsqu'on ne rend pas grâce à Dieu. Pour ce qui nous arrive, on se dit, oh, mais pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours moi on me critique? Pourquoi toujours moi? Moi on ne m'aime pas. Moi ceci. Quand tu restes dans cette situation, tu as choisi cette situation, ça va amener l'amertume. Et ça va nous amener dans le deuxième cas. Le cas d'une femme que nous connaissons, que je vais énumérer, et je vais nous donner quelques pistes de sortie pour sortir de l'amertume. Mais j'aimerais d'abord que tu fasses le choix d'accepter toute chose comme étant la volonté permissive de Dieu. Amen. Le jour où j'avais compris que Dieu avait permis qu'on me maltraite, qu'on salisse mon nom, Dieu m'a dit, autant on t'a sali dans le monde, autant je veux non seulement nettoyer ton image, mais je veux te lever au-delà de ce que tu penses. Mes frères et sœurs, ce que je vis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je n'aurais jamais pu l'imaginer. Dieu est vrai. Il est le spécialiste de changer le mal en bien. Est-ce qu'on a déjà sali quelqu'un ici? Quelqu'un a-t-il déjà été sali ici? On a sali ton image. Ah! Laisse-moi te dire, Dieu va laver ton image. Dieu va nettoyer ton image. Amen, amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Le deuxième cas, là où je vais finir, c'est le cas de Anne. 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 20. Vous lirez à la maison. Anne, une femme de Dieu. La Bible dit que Dieu l'avait rendue stérile. C'est Dieu qui était à la base de sa stérilité. Non seulement il l'a rendue stérile, Dieu a permis que Pénina soit là pour la critiquer. Bien-aimé, il y a des critiqueurs que Dieu permet. Les gens qui vont t'attaquer, Dieu permet qu'ils soient là. Les Pénina. Aujourd'hui, peut-être que tu priais, Seigneur, que mes Pénina meurent, qu'elles enterrent. Aujourd'hui, je te dis, prie que tes Pénina vivent. Non, je crois que tu ne m'as pas bien compris. Prie que tes Pénina vivent. Pourquoi? Parce que si Pénina meurt, qui va t'acclamer demain? Alléluia! Si tes Pénina disparaissent de la circulation, qui va être témoin du nom? On l'a quand même attaqué, mais Dieu est quand même avec elle. Dieu est quand même avec lui. Donc, il faut laisser Pénina là. Pénina mortifie. Pénina, regarde-moi. Qu'on cite les femmes, qu'on te cite aussi. Ah, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Elle était dans une mauvaise posture. La première posture de victime. Oh, elle se victimise, elle pleure. Les critiques, les ragots, les mépris, toutes ces choses, on la dénigre. Tout ça, ça la fête. Ça la fête. Et quand elle rentre chez elle, alors que son mari lui donnait une portion double parce qu'elle était stérile, elle ne voyait pas l'amour de son mari. Elle ne voyait pas la grâce qu'elle avait. Mais tout ce qu'elle regardait, c'était Pénina qui est en train de me mortifier. Je suis venu dire à quelqu'un,
pour sortir du rejet, pour sortir de l'amertume, ne regarde pas l'extérieur. Regarde en Dieu. Regarde ce que Dieu a mis en toi. Les autres peuvent ne pas t'aimer, mais Dieu m'aime déjà. Ah, suis-je en train de parler à quelqu'un? Même si tout le monde ne t'aime pas, sache qu'il y a un Dieu qui t'aime. Ah, dis avec moi, Dieu m'aime. Non, non, dis-le à haute voix, dis Dieu m'aime. Ah, cet homme-là qui avait promis de te marier, il t'a lâché. C'est pas grave, mais Dieu t'aime. Et s'il t'aime, il a un plan pour toi. Non, je disais à quelqu'un, s'il t'aime, il a un projet pour toi. S'il t'aime, il sait ce qu'il a prévu pour toi. S'il t'aime, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Amen, 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 amen. Amen. Ah, ne combat pas Pénina. Rends grâce à Dieu pour Pénina. Oh, je rends grâce à Dieu pour mon Pénina. Ah, il y a quelques mois, j'ai vu mon Pénina. Et les choses ont changé. Alléluia. Non, non, tu n'as pas compris. Pénina, en réalité, c'est une bénédiction, ce n'est pas une malédiction. Ah, ça c'est trop fort, ça c'est une révélation trop forte. Pénina, c'est une bénédiction. Je suis venu te dire, ton problème, c'est ça ta bénédiction. Ah, ta difficulté, c'est ça en réalité ta bénédiction. Parce que Dieu a mis Pénina pour un but. Proverbe 16:4 nous dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu fait toutes choses avec une mission précise. Il ne peut pas laisser l'ennemi là juste pour rien. Même Dieu a des ennemis. Alors Dieu a dit à Jésus, assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Ah, mon marchandier, je suis venu dire à quelqu'un, même si les ennemis sont nombreux, toi reste assis. Regarde ton voisin, dis-lui, toi reste assis. Non, non, dis à ton voisin, toi reste assis. Tes ennemis seront ton marchepied. Le marchepied, c'est l'escalier. Bon, ici, il y a qu'une marche. Ah, je suis en train de voir mes ennemis. Je suis en train de marcher sur eux. Ah, c'est eux qui vont m'amener dans l'élévation. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce sont tes ennemis. Ce sont tes problèmes qui vont t'amener là-haut. Ah, j'ai trop de problèmes. Mais c'est ça ta bénédiction, tes problèmes. S'il y a des problèmes, il y a une solution. Jésus est la clé. Jésus est la solution. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les gens par lesquels on peut être sauvé. Dis à Dieu, dis Seigneur, merci pour les Pénina. Non, ça c'est quelqu'un qui a la foi qui va le dire. Dis Seigneur, merci pour Pénina. Même Dieu a dit, même Jésus a dit, aimez vos ennemis. Il n'a pas dit tuez-les, aimez-les. Tu as un ennemi, aime-le. Au travail, ton collègue ne t'aime pas. Il veut tout faire pour ta place. Aime-le. Aime-la. Oh, cher collègue, qu'est-ce que je t'aime. Oh, si tu savais. Alléluia. Pendant que tu es en train de l'aimer comme ça, la Bible dit, Dieu dresse une table. Ce n'est pas en face des amis, mais en face des adversaires. Et il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Anne n'avait pas compris, il y avait l'amertume. Tout le temps que Anne, et Anne aujourd'hui te représente, me représente, tout le temps où tu es victime, oh non, je ne comprends pas, Dieu est injuste, tout ce temps-là en réalité, tu es en train de ralentir le processus de la bénédiction, le processus de l'élévation. Anne était dans cette situation. Elle voyait la réalité, tout ce qui était autour. Je ne suis pas contre. Je ne dis pas que tu ne vis pas des choses contraires. Je ne dis pas que tout va bien. Je sais que ça ne va pas. Je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais considère ces choses-là comme une bénédiction et non une malédiction. Et elle pleurait. Elle pleurait. Elle ne pouvait même pas voir l'amour de son mari. Elle voyait que Pénina. Elle canatème. Ça ne sert à rien. Pénina. Matin, midi, Pénina. Au travail, à l'église, Pénina. Partout, Pénina. Même dans les songes. C'est quand une personne occupe trop ton esprit, même en songe, tu le vois. Il envahit tout. Pénina.
Amen. Mais pour que Anne s'en sorte, Anne a dit, si je continue comme ça, rien ne va marcher. Je veux faire quelque chose. Donnez-moi le verset 10. 1 Samuel 1, verset 10. Nous sommes vers la fin. Je suis en train vraiment d'atterrir. La première des choses que Anne va faire, elle va d'abord comprendre, réaliser que Dieu a un plan pour elle. Si tu veux sortir de l'amertume, ne regarde pas tout ce qui amène l'amertume. Regarde le plan que Dieu a pour ta vie. Reste focalisé sur ce que Dieu a comme projet. Plan pour ta vie. Ne t'occupe pas des autres. J'aime souvent dire un proverbe, un adage qui dit, le chien aboie, la caravane passe. Amen. Ta part, c'est de considérer ce que tu dois faire. Tu as le choix, soit de rester victime dans l'amertume, soit de t'en sortir. Mais sache que ton attitude, comme quelqu'un a dit, déterminera ton altitude. Le choix que tu vas faire va déterminer ce que tu vas vivre par la suite. Soit t'en sortir, soit rester encore prisonnier ou prisonnière. Voilà pourquoi Anne a dit, j'ai trop regardé dehors, en dehors de moi. Je veux maintenant regarder en Dieu qui est en moi. Quand elle a tourné les regards vers Dieu, les choses ont changé. Verset 10, 1 Samuel 1, 10. La Bible dit, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Lisons-le ensemble. Lisons-le ensemble. L'amertume. Non, lisez-le, c'est dans l'écran. Lisons encore. L'amertume dans l'âme, elle pria et pleura abondamment. La Bible précise ici que au commencement, il y avait l'amertume. Elle a commencé avec l'amertume dans l'âme. Mais elle n'est pas arrêtée dans l'amertume dans l'âme. Elle a fait un pas dans la prière. Dis avec moi la prière. Oh non, parle bien avec moi la prière. Bien-aimé, la deuxième chose qu'Anne a fait ici, elle a décidé de sortir. Et cette décision l'a poussée à poser un pas, à marquer un pas vers Dieu, à chercher Dieu. La prière, c'est le moyen par lequel on entre en contact avec Dieu. On cherche Dieu pour nous sortir de notre situation. Et une prière ne peut pas être exaucée si elle n'est pas faite sur la base de la parole. Mais qu'est-ce que la parole dit? Si tu vas présenter l'offrande à l'autel et que tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, tu fais quoi? Tu déposes l'offrande et puis tu vas te réconcilier. Amen. La Bible dit quoi? Avant que ta prière ne soit entendue par Dieu, toi-même tu dois être en paix avec Dieu. Hébreux chapitre 12, c'est là où on vient maintenant dans notre solution. Il dit, recherchez la paix. Dis avec moi la paix. Avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, la solution ici, la première piste de solution, Anne a recherché la paix avec tous. Avec tous veut dire quoi? Veut dire d'abord avec Dieu. Tu dois retrouver ta communion avec Dieu parce que l'amertume a brisé la communion. Donc, la paix avec Dieu est retrouvée dans le pardon. Quand tu demandes pardon à Dieu, j'ai eu de l'amertume. Pardonne-moi, Seigneur, pour mon amertume. Dieu te pardonne. Le sang de Jésus vient et te lave, te nettoie, te purifie. Ta relation et ta communion avec Dieu sont rétablies. Là, tu as marqué le premier pas. Mais attention, dans la paix, il n'y a pas que la paix avec Dieu. Il y a aussi la paix avec les hommes. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Certainement, Anne a compris qu'il fallait forcément faire la paix même avec Pénina. Bien-aimé, la Bible dit, il faut rechercher la paix avec tous. Troisième sorte de paix, elle n'avait plus la paix en elle-même. Il fallait qu'elle retrouve la paix dans son cœur, la paix intérieure. Elle a fait la première démarche, la recherche de la paix. Deuxième démarche, la Bible dit, il faut rechercher la sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est le fait de se mettre à part pour Dieu, vous savez ça? La sanctification, c'est la consécration. Dis avec moi la consécration. Si tu es sanctifié, tu es consacré. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Anne va faire? Elle va dire, ok, maintenant je vais consacrer. Je vais consacrer non seulement ma vie, mais je vais consacrer le fruit de mes entrailles que tu vas me donner. Elle a appliqué Hébreux chapitre 12, verset 14. Rechercher la paix avec Dieu, avec tous, elle-même et les autres. Mais aussi la sanctification, la consécration.
Et la suite nous dit ceci. Elle rentra en elle-même et elle alla ensuite... Donnez-moi le verset 12. Le verset 12 nous dit ceci. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Et là, elle priait. Amen. L'amertume, tu vas t'en sortir dans la prière. Et pendant que tu es en train de prier, tu dois aussi demander pardon et pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Beaucoup de gens ne sortent pas de l'amertume parce qu'elles refusent de pardonner. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, peu importe le mal qu'on t'a fait, pardonne. Peu importe le mal que tu as peut-être causé chez quelqu'un, demande pardon. Amen. Le pardon va te libérer complètement, te dégager complètement. Et le diable le sait. Quand tu demandes pardon, tu sens en toi un poids qui est parti, qui a quitté ta vie. Amen. Et enfin, on nous dit qu'elle pria. Et elle pria longtemps. Elle a prié jusqu'à ce que sa situation s'est débloquée. Elle a déversé son cœur. Elle a parlé de ce qu'il y avait dans son cœur. Des fois, lorsque nous prions, nous faisons des prières hypocrites. Tu sais que ton cœur ne va pas bien. Mais tu dis, oh Dieu, je te loue pour des grandes choses que tu opères dans ma vie. Alors que dans ton cœur, tu ne vas pas bien. Quand tu pries devant Dieu, dis à Dieu l'état de ton cœur. Là, je ne vais pas bien. Fais quelque chose. Amen. Elle a prié et Dieu l'a visitée. Anne a été bénie par Dieu. L'amertume avait bloqué sa conception. Mais lorsque elle s'est donnée à Dieu, elle s'est ouverte. La Bible nous enseigne que Dieu a fini par le visiter. Et moi, je crois que Dieu veut visiter beaucoup de personnes. Dieu veut visiter nos familles. Dieu veut visiter nos maisons. Dieu veut visiter tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Mais l'amertume. Peut-être que tu n'es pas concerné aujourd'hui, mais sache que ce message peut te concerner demain. Alors prends-le en compte et au sérieux. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer encore le Seigneur? Oh. Est-ce que tu peux te lever dans sa présence?